Parce qu'il s'était mis en grève déjà plusieurs jours. On voit aussi des visages nouveaux. Ça veut dire que même au-delà simplement d'une manifestation, si on les ajoute toutes successivement, ça fait bien plus de monde qui a pris part. Moi, je crois que c'est significatif quand même d'un mécontentement qui Il est explose. midi pile, on a un impératif horaire. C'est bien évidemment le journal, un toute image préparé aujourd'hui par Yves Gerbeau. Et il sera bien sûr question de la situation sociale à Marseille et dans notre région. À tout de suite. Nouvelle action contre la saleté à Marseille, saleté due à la grève des agents de la propreté. Ce sont des élus, des commerçants ou de simples citoyens qui se sont transformés le temps d'une photo en éboueurs dans le centre-ville, ici boulevard Chave. Une volonté protestée contre les grèves et les blocages des centres de transfert. Et ce conflit des poubelles fait toujours réagir les responsables politiques. Après Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini, c'est le président de MPM, Eugène Caselli, qui demande l'intervention du préfet. Les ordures relèvent de la compétence de MPM. J'ai demandé au préfet la réquisition pour assurer le libre accès aux centres de transfert, c'est-à-dire faire débloquer les centres de transfert qui sont bloqués par du personnel gréviste et réquisitionner le personnel nécessaire pour travailler dans ces centres de transfert. Parce qu'aujourd'hui, le personnel de collecte privée dans les arrondissements dédiés aux privés doit pouvoir décharger les ordures ménagères. Sinon, 5 arrondissements de plus dans Marseille vont crouler sous les poubelles. La préfecture étudie toujours ces demandes de réquisition. Incident hier soir entre majorité et opposition à la fin de la session du Conseil régional. Le président Michel Vauzelle a été amené à lever la séance par manque de quorum. Le groupe UMP et Nouveau Centre parle de déni de démocratie. C'est un vote sur l'attribution du Fonds de solidarité locale qui a entraîné cet incident. Une nouvelle assemblée plénière est programmée pour mercredi prochain. Une image, celle du Ponant, le bateau de croisière rendu célèbre après la prise d'otage en Somalie en avril 2008. Est amarré pour quelques heures, quai de la Fraternité sur le Vieux-Port à Marseille. Ce trois-mâts de 88 mètres est spécialisé dans les croisières de luxe. Les 32 membres d'équipage y accueillent 64 passagers seulement. Enfin, une distinction dans le petit monde des boulistes, c'est Michel Montana, le directeur des affaires extérieures de la Marseillaise et célèbre président du Mondial à pétanque. Il a été élevé hier soir au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Tous les hommes politiques de la région étaient présents à cette cérémonie. Au Palais de la Bourse à Marseille. Suite et fin de La Voix est libre à présent, consacrée à l'actualité sociale et aux divers conflits en cours. Richard Mallier, un mot sur le conflit des poubelles et le blocage du port. Alors bon, il y a un mot qui a été prononcé hier, à la fois par les responsables, l'encadrement du port, mais aussi par Eugène Caselli, c'est réquisition. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes député, qui participez à l'élaboration de la loi, qu'on puisse éventuellement bafouer un droit qui est inscrit dans le texte le plus fondamental de notre pays, c'est la Constitution, qui a été mis en 1946. Vous savez, le droit de la grève liberté, est inscrit dans la Constitution. La liberté, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? La liberté est-ce de qu'on ne brise pas le droit de grève? La liberté de chacun finit là où commence celle d'autrui. Or, quand l'État a un problème de sécurité sanitaire, parce que c'est ça en l'occurrence, je pense que l'État doit intervenir. Oui, non, OK pour les poubelles, bon, effectivement. Ceci étant, problème sanitaire, la pluie risque de tomber. Voilà, donc il y a vraiment un problème sanitaire, un problème de sécurité publique, donc l'État peut intervenir. Bon, pour le port. Pour le port, à un moment donné, l'État. Est-ce qu'on a le droit de réquisitionner du personnel gréviste pour faire en sorte de. Là, il s'agit en fait des centres de dépôt de carburant. Absolument. C'est à ce niveau-là. Bon, qu'il y ait des grévistes, le droit de grève, il existe, il est dans la Constitution, on ne le nie pas. Mais à un moment donné, quand tout est bloqué, je crois que l'État peut intervenir, et c'est le rôle de l'État d'intervenir d'ailleurs. Autrement, dans ce cas-là, on est dans un système complètement libéral, c'est le marché, tout le monde fait n'importe quoi dans la mesure où c'est son intérêt personnel. Je crois qu'il y a l'intérêt général, et l'intérêt général, il est là. Donc il est tout à fait normal que l'État intervienne. Pascal Galeauté. Oui, moi je... Parce que vous êtes concerné, hein. Oui, je suis stupéfait par votre réponse quand on sait que vous êtes un élu de la République. Parce que je vais vous donner une information, je peux vous donner une information quand même qui est assez récente et qui est tombée hier soir, c'est que le tribunal de Paris administratif a clairement déclaré que les réquisitions qui avaient été opérées par le préfet
sur l'usine de Total, la raffinerie de Total, était totalement illégale. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'était une entrave manifeste au droit de grève. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé, donc simplement, je voudrais continuer sur ça. Donc il est clair que si la stratégie du gouvernement, et c'est ça qui est inquiétant, et je vous le dis, mais où comptez-vous nous amener? Parce que vous continuez à vouloir engager un bras de fer en pensant que ça va démobiliser les salariés. Vous êtes en train de créer les conditions inverses et de radicaliser les positions. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous appelons au calme et à la sérénité des salariés, mais votre démarche qui consiste à aller taper sur des manifestants pour essayer au moment donné de mettre une pression supplémentaire est irresponsable par rapport à tout ça. Ce sont des salariés qui sont grévistes, qui ne sont pas en train de bloquer autre chose. Ils occupent leur site et leur activité. Ils sont dans le plein droit de l'exercice du droit de grève. Et c'est ça qu'aujourd'hui vous êtes en train de remettre en cause. Monsieur Mallier, répondez. Cher monsieur, je suis navré, mais quand on fait grève, on fait grève. Mais on n'a pas le droit de bloquer un outil. On n'a pas le droit d'empêcher des non-grévistes de venir travailler. Excusez-moi, parce que là... Je ne vous ai pas coupé, ne me coupez pas. Par contre, sur le tribunal administratif, est-ce que vous avez le jugement du tribunal administratif? Moi, aujourd'hui, je ne me prononce pas. Je ne sais pas, parce que le tribunal administratif est capable de casser un arrêté parce que la virgule a été mal placée. Vous le savez, la forme. Donc aujourd'hui... Permettez-moi, je ne vous ai pas coupé. Permettez-moi simplement de dire, je veux le jugement du tribunal administratif avant de pouvoir me prononcer. Mais écoutez, moi, je l'ai lu hier soir assez tard. Effectivement, c'est une remise en cause du droit de grève. Nous sommes au fait de ce qui se passe. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà des réquisitions, nous entendons, nous, de plusieurs sources, peut-être l'intervention de l'armée sur le port et sur les terminaux pétroliers. Donc je crois que là, véritablement, si c'est ce qui devait se produire, je pense qu'on passerait à un état supérieur et clairement, le gouvernement déclarerait l'état de guerre au niveau des citoyens français. Je crois que c'est grave aujourd'hui d'entendre ce type de démarche et cette non-volonté du gouvernement de vouloir entrer dans une discussion et d'une négociation. Maurice Wolf, effectivement, c'est un point important. Jusqu'où peut-on aller? Alors, posez la même question à Pascal Galéoté tout à l'heure en début de magazine sur la responsabilité. Est-ce qu'effectivement les syndicats sont investis d'une éthique de responsabilité? Est-ce qu'ils mesurent véritablement les conséquences que ça peut avoir sur l'économie locale et sur leur propre emploi? Il a répondu. Est-ce qu'effectivement, aller jusque-là, c'est-à-dire envoyer éventuellement l'armée pour réquisitionner du personnel gréviste, est-ce qu'on ne sort pas un peu des clous? Il était important que nos élites politiques interviennent. J'ai envie de dire enfin. Il était important qu'ils disent maintenant ça suffit. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce que vous dites, on a tous intérêt, tous, à ce que vraiment il y ait une vraie union sacrée entre le politique, l'économique, pour que vraiment les entreprises fonctionnent et que les emplois sont là. On a besoin de ça. Jusqu'ici, y compris au plus haut de l'État. Ma question, doit-on aller jusqu'à la réquisition du personnel gréviste? Je comprends. Et éventuellement envoyer l'armée ou les policiers, enfin les forces de l'ordre pour faire en sorte que le personnel soit réquisitionné. On ne peut pas bloquer une activité économique, que M. Galéoté ait des revendications, que les syndicats aient des revendications, je le comprends parfaitement. On est là pour en discuter, on est là pour négocier, mais il n'est pas question d'arrêter une économie complètement. Ça n'est pas possible. Donc vous êtes pour la réquisition. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les partis de gouvernement de gauche et de droite le demandent. Ouais. Il y a une unité là-dessus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État ne peut plus laisser faire. Mais visiblement, la gauche marseillaise n'est pas considérée comme étant de gauche par les deux invités qui sont autour de cette table. Et quand on entend aujourd'hui les propos de M. Caselli, une fois de plus, on est stupéfait. On n'est pas surpris des propos de M. Guérini sur le port. On n'est pas surpris des propos de M. Guérini sur le port, qui est lui-même actionnaire d'une entreprise de manutention sur le port. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté sur la position de chaque élu. Vous pensez que sa position est intéressée alors ? Bien sûr, qu'il est de parti pris et que donc il intervient aussi dans ce cadre-là. Donc je crois qu'il faut aussi que tout le monde soit bien au courant de ce qui est en train de se faire dans ce pays-là. Et quand on voit nationalement quand même des choses où on entend que 2012 il y aura des échéances électorales. Et moi je crois qu'aujourd'hui c'est la première victoire des syndicats. Législative et présidentielle, c'est important. Effectivement, c'est la première victoire des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le résultat, il y aura derrière des conséquences en termes d'électorat et de résultats des élections. Une question à Isabelle Bonnet, sur un point qui me paraît important. Dans les années 60, 70, même jusqu'à la fin des années 80, la panacée, lorsqu'on était gréviste, c'était la grève générale, c'est-à-dire que le pays entier s'arrête de fonctionner. J'ai le sentiment aujourd'hui que la panacée, lorsqu'on est du côté des grévistes, c'est le blocage. Est-ce qu'on n'a pas changé d'attitude, là, en quelques années? Non, alors, le nombre de grévistes, il se renforce. Hein, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, parce que en fait c'est d'autres secteurs aussi vous qui se pas mettent à ma question. En lutte. Non, mais ce que je veux vous dire, parce que